si je vous raconte un rêve, ce n'est rien que de la routine. C'est à Paris, un jour de grève, qu'il faut en trouver l'origine. Dans mon bureau, rue de Provence, je m'endormais sur le divan. Et dans la demi-somnolence, j'entendais s'essouffler le vent. Ça crépitait sur la marquise, à 5 heures une porte claquait. La grève étendait sa banquise sur les pavés au pied des quais. J'allais respirer l'air du large au métro Cardinal Le Moine. Ça augurait des beaux orages, des beaux naufrages et leurs arcanes. Mais le téléphone s'obstine à sonner à la réception. À midi, quand tous les gens dînent, dans la cour restent les camions. On m'appelle du Central Europe, au coin de Berne et Leningrad. J'y ai installé une taupe, les jours d'intempéries bavardes. Avec l'indicatif, la borde, par son central, l'interurbain, me passait la Seine qui déborde, en faisant couler l'eau de son bain. Un peu plus bas que mes persiennes, j'entendais dans les messageries, nouvelles de la presse parisienne, le bruit des idées que l'on trie. La poste de rue Saint-Lazare, dans le 9e arrondissement, bourdonne comme un grand bazar, toponyme sur mon vieux plan. Mais celle qui est dans la gare, donnant sur la rue d'Amsterdam, permet d'embarquer d'arredard après l'envoi d'un télégramme. À Saint-Lazare, parmi la foule, il y a affiché sur un mur le train de Londres à Istanbul qui part à la bonne aventure. Des horaires j'en ai plein la tête, ceux du rapide de Douville, mais on affiche les jours de fête, on y respire la chlorophylle. Je suis seul à Porchefontaine, au milieu des sauts de mouton. Je viens surtout pour l'oxygène que par les ajours nous goûtons. J'ai un agent dans la vallée de la Seine vers Saint-Germain. Il m'informe sur les allées et venues de tous les chemins. Dans un grenier en pleine ville, 6 rue Alexandre Dumas, on consulte les plans de l'île de France en feuille de grand format, vu du pavillon Henri IV qui domine la route des grottes. On peut voir d'assez loin Montmartre et en bas le Pec et sa côte. Il paraît que pendant la guerre, les Allemands avaient un QG à Saint-Germain et rue Schnapper, au-dessus des fonds Saint-Léger. Tout le monde en parlait naguère dans le lycée Marcel Roby, quand les élèves avaient la guerre comme principale lubie. Je dormais dans la salle d'attente d'un docteur avenu Schellcher, à où dans les années 50, déjà ses manoirs m'étaient chers. Des coups de bélier dans les tuyaux m'ont réveillé vers les 4 heures, pendant que dehors tombait l'eau, quelqu'un purgeait les radiateurs.
je vais déambuler en ville et dans les grands wagons postaux. Les lettres partent pour l'exil et moi j'y vais incognito. Je descends par la rue de Londres jusqu'à la place de Budapest. Avec les parasites des ondes courtes entendues pendant la sieste, je me retrouve entre deux mondes, celui du jour sur le boulevard et celui de la nuit qui tombe sur la tête des gens bavards. Déjà chez Gilbert, les lumières s'allument entre chien et loup, éclairant comme un réverbère la rue devenue un peu floue.